Et salut à tous et à tous les amis, c'est Empereur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Bayek de Siwa dans l'Égypte antique. Et les amis, comme prévu, suite à la continuité de notre live qui a eu lieu donc dimanche dernier. Et n'hésitez surtout pas les amis, hein, pour vous la team replay, de venir en live avec moi tous les dimanches si possible. Donc on fait la mission prise de liberté, on devait trouver Happy, l'ouvrier à la carrière qui visiblement est pas en bon état devant nous actuellement. Et donc du coup les amis, évidemment, comme d'habitude, un let's play, un live. Bon, je répète sans cesse, mais voilà, vous avez plus ou moins compris l'idée. Et donc aujourd'hui notre but, on va faire cette mission là puis on fera sans doute une ou deux. Alors je sais pas précisément encore lesquelles, parce qu'on a énormément de quêtes qui se trouvent dans ce secteur là donc on va prendre notre temps évidemment pour les faire, et on finira toutes ces quêtes dites secondaires en live dès dimanche évidemment. Et moi j'essaierai d'avancer un petit peu sur les différents territoires qui nous restent pour évidemment continuer à avancer dans cette origine. Bon, trêve de carabiscouille, avançons. C'est un tatouage d'Ankh. Ah, pauvre petit. Mais il n'a pas de bracelet. Sa femme ne sait pas qu'il est mort. Quelle tristesse. Je vais offrir le repos à son cas et rapporter son bracelet. La femme d'Apti sera heureuse de l'avoir en souvenir. Bon. On est arrivé un peu trop tard, les amis, mais c'est pas grave, on va remettre le bracelet à sa femme. Alors, je nettoie un petit peu le camp avant de démarrer cette vidéo. D'ailleurs, je pense qu'on va en profiter pour libérer aussi... Oh, j'ai pas vu lui. Ok, ça a pris en compte mon enchaînement d'assassinat, très bien. Casse-toi. Les amis, j'espère que vous allez bien, et si ce contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à la partager, à laisser votre plus beau commentaire, dites-moi vos retours. C'est important, hein, d'avoir des retours d'expérience pour savoir qu'est-ce qu'il y a à changer, qu'est-ce qui pourrait être mieux aussi. Donc n'hésitez surtout pas à me donner vos retours, c'est très très important. Et pendant que vous écrivez votre commentaire, on va se diriger tranquillement vers la femme de Happy, qui visiblement est dans une ferme. En espérant qu'il lui ait rien arrivé au ciel, hein. Non, ça a l'air d'être plutôt calme. Elle est là-haut. Tu l'as bien aimé, Dapti ? Je sais pourquoi tu es là, Medjay. Il est mort, n'est-ce pas ? Désolé. Il y a eu une révolte à la carrière, il... Non, je ne veux pas savoir. Il a toujours été si impétueux. Comment a-t-il pu nous faire ça? J'ai trouvé son bracelet. Il aurait voulu que tu l'aies. Qu'est-ce que je vais faire d'un bracelet? Mon enfant va grandir sans son père. Merci d'être venu me voir. Tu es un homme bon. Mais s'il te plaît, laisse-moi avec mon chagrin. Je ne suis qu'une de ces femmes devenues veuves à cause des Romains. Voilà une guerre dont personne ne parle. Ok. Par contre... Voilà, je remonte un peu le son parce qu'il me semblait n'avoir strictement rien entendu, ça me paraissait bizarre. Bon. Quête maintenant, les amis. Quelle est la mission la plus proche ? Bon, menace, c'est trop loin. La proie des Philakés, c'est trop loin. Bon, les épreuves de Sobek et tout ça, on fera pas ça en cet épisode-là. Alors, le plus près, c'est l'attrait de la gloire. Mais c'est encore très loin. Donc, on va se prendre une quête qui est sur la carte. Je vais pas prendre celle-là, parce qu'il faudra que je vide le camp avant. C'est cité, on va prendre celle-là, allez. Parce
Parce que du coup, je profiterai pour nettoyer le camp. Donc, carpe diem, on fera lorsque j'aurai visé le camp. Et puis, on continuera ça tranquillement. Donc, je nettoierai le camp en live. Enfin, avant le live. Et du coup, ça fait que pendant le live, on pourra directement commencer la mission carpe diem. Et si on n'a pas fini la mission en cours, on la finira juste après. C'est pas gênant. Voilà, c'est un peu l'idée. Comme d'habitude, les amis, j'en profiterai hors caméra pour continuer à faire tout ce qu'il y a. Il y a quelques forteresses à faire et tout, au passage. Et puis après ça, je pense qu'on sera pas trop mal. Et comme j'avais précisé en live, hein, pour ceux qui étaient avec moi, enfin ceux qui n'étaient pas présents lors de ce live, on est quasiment au bout de cette origine. Alors je dis quasiment, il faut se dire en fait qu'une fois que ce gros secteur de quête secondaire sera fait, ce qui va rester derrière, c'est quasiment que la quête principale en vrai de vrai. Hein. Ça va aller plutôt très vite. Donc restez bien avec nous, accrochez-vous dans cette origine, et puis tout devrait bien se passer. Hein ? Allez, il faut se dire ça. Je dois avoir un alligator au cul ou un hippopotame. Non, c'est même pire que ça, c'est un lion. Ah, elle a quand même réussi à me toucher, c'est dommage. Par contre, c'est où ? C'est loin, ouais. Ouais, les amis, c'est parti. Et si vous avez l'impression que c'est devenu un peu un secteur romain, il faut savoir que oui, c'était prévu plus ou moins dans la carte d'origine, qu'à partir de ce moment-là, on tombe un peu dans le secteur romain. Donc, soyez pas surpris si effectivement... De toute façon, les Romains à l'époque, hein, vous vous doutez bien, je vous fais pas de dessin. Putain, comment il a bifurqué d'un seul coup. Mec, il a voulu faire un créneau au milieu de la route, quoi. Bon, en même temps, hein, la priorité, je l'ai pas trop respectée non plus, donc on va rien dire. Accordez un instant, oh, pauvre vieillard. Qu'est-ce que tu racontes, vieillard? Tu as perdu la vue? Oui, une manticore a dévoré mes yeux. Une bête mythique t'a pris la vue. Avec un corps de lion et un visage de femme. Voilà un lion bien féroce. Hélas, avant qu'elle ne revienne, amène-moi à mon ami Teramenes à l'hospice. Il pourra m'aider. Tu as perdu la raison. Mais je ne peux pas te laisser à la merci des bêtes. J'étais parti cueillir des baies. Il y a beaucoup de bêtes sauvages ici. Pourquoi n'as-tu pas d'arc? Un arc contre une manticore. Mon arc a tué des milliers d'animaux, tu sais. Oh, tu es le griffon? Tu en veux à mon esprit? Calme-toi, Galenos. C'est moi, Bayek. Calme-toi, Galenos. C'est moi, Bayek. Ton son. Décidément, Bayek va pas pouvoir finir sa phrase. Calme-toi, Galenos. C'est moi, Bayek, ton sauveur. On approche? On approche de l'hospice, Bayek? Je l'espère. Toi, Teramenes, le guérisseur? Oui, oui, c'est Galenos. Par les dieux, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je l'ai trouvé au bord de la route. Il dit qu'une manticore lui a pris la vue. Et aussi la raison. J'ai du miel et de la fraise, mais le temple m'a pris mes produits les plus rares. Je l'ai amené jusqu'ici. Dis-moi ce qu'il te faut. Tu vas m'aider? Merveille des merveilles, je vais te faire une liste. Ok, il manque juste là une corne de bouquetin. Et visiblement, j'ai tout le reste. Parfait. Ça devrait pas être trop difficile d'en trouver une deuxième. Par contre, je suis bien curieux de voir une manticore quand même. En vrai, le vrai. Parce que c'est vrai que des créatures... On a eu le gros serpent, dont j'ai oublié le nom, hein.
Et les bêtes mythiques, évidemment, on en a eu beaucoup dans Odyssée, hein, les amis. Est-ce que j'ai chopé ça? Non, loupé, ce sont des serpents. Où sont les boutins? C'est pas des bouquetins, ça, si? Je vois que dalle. Il y a des serpents partout dans le secteur, là, par contre. Ah, non, voilà. C'est bon, on a la corde, les amis. On passe à côté d'un serpent, tout va bien. Ouais, les serpents, ils sont bien cachés dans le jeu, par contre. Hein. Attention, on rappelle, les serpents, les amis, ça, trois coups suffisent pour te tuer. Hein. Peu importe le level, c'est l'une des plus puissantes créatures qu'on peut avoir dans le jeu. Mais bon, le bouclier, il est contre bien, généralement. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous jouez Star Origin et que vous affrontez des serpents, le bouclier, ils aiment pas. Donc... c'est la meilleure contre. Comment va le patient? Il marmonne, il bredouille. Nous n'obtiendrons rien de lui tant que je ne l'aurai pas soulagé. Il me faut de l'extrait de sylphion. L'herbe romaine? Oui, le sylphion est notre herbe. Mais à cause des Romains, on n'en trouve presque plus. Ils le traitent au dépôt au nord d'ici. J'imagine qu'il est lourdement gardé. Ça ne devrait pas être un souci pour quelqu'un d'aussi doué que toi. Ouais. Ça commence à faire beaucoup quand même, là. Mais bon, faut bien aider ce vieillard. Hein. Puis s'il peut nous montrer où se trouve l'aventicor. Moi, je serais pas contre. Me farcir une petite créature, là, pour la fin de cet épisode, on est pas mal. Bon, allez. Joli par ici. Belle ville, en tous les cas, les amis. As-tu la moindre idée de la valeur de ces hommes? Ne t'inquiète pas, je vais trouver des mercenaires pour les ramener. Non, est-ce qu'il est possible que je chope ces herbes sans me battre? Je peux rapporter ce remède miracle à Terra Menes. Bien compris. Donc il y a une mission là aussi. Ça a l'air de se battre là. Je vais voir après cette mission là si on a le temps de savoir ce qui se passe. Une mission un peu rouge, je sais pas ce que ça veut dire quand c'est rouge comme ça. À notre ami. Du moins le peu de raison qui lui reste. Si je
croise une manticore dans les bois de Balagrae, je t'apporterai sa tête. Oh, ça m'intéresserait beaucoup, mon ami. On dit que le venin de Sondar paralyse un homme dans l'instant. Ça pourrait m'être très utile. Dans un but médical, bien entendu. Bien entendu. Au revoir, Terramenes. Au revoir, Bayek. Et prends garde au manticore. Ouais. T'inquiète pas. Déjà, level up, pour commencer, parce que c'est mérité. Ah, c'est niveau 40 maximum, j'ai atteint le niveau maximum. Ah, shit. Ok, les amis, bon, visiblement, c'est 40 maximum, donc on est full level. Mais non 50, j'ai cru que c'était 50 dans mes souvenirs, mais non, c'est 40. Bon. Très bien. Bon bah écoutez, on va continuer l'émission les amis, mais c'est juste que là en fait on peut avoir que les points d'aptitude, on ne pourra plus level up avant les DLC. C'est un peu con, mais bon. Comme quoi les quêtes secondaires dans le jeu apportent hein, quand même, mine de rien. Je ne vois pas d'autre issue possible. Qu'a fait cet homme pour mériter un tel traitement? Il s'est enfui comme un lâche et les gladiateurs ont été capturés. Des gladiateurs? Ils ne pouvaient pas se défendre. Dormait. Et Gidio était censé monter la garde. Mes deux meilleurs gladiateurs, Kose et Wamukota. Nous étions en route pour l'arène quand des bandits nous ont surpris. Je suis le seul à avoir réussi à m'enfuir. Espèce de pleutre. Je vais te ramener tes gladiateurs, mais laisse ce pauvre homme tranquille. Quand tu auras trouvé mes hommes, empresse-toi de les conduire à l'arène de Sirène. Nous avons été attaqués au nord-est d'ici, près d'un pont de bois sur la route de Sirène. Bien, Ezekio. Il reste que tu aies une chance de remporter le tournoi. Bon. Ok. Alors, tac. Ok, bon, c'est dans un nouveau territoire, les amis. Les ombres d'Apollon. Je vais peut-être faire ce camp-là et démarrer également les ombres d'Apollon en parallèle. Parce qu'on a l'air d'avoir quand même une mission qui se trouve un tout petit peu plus loin que notre position. J'ai piégé le feu, si je me fais caler. Je pouvais pas activer le mode Berserk sur lui. Dommage. Bon, il est mort.
Où est le trésor? Bon, je pense que j'ai vidé le camp là, à mon avis. Ah, c'est par là. Je ne trahirai pas les terres noires. Tyran. Alors, personne ici. Je suis égyptien comme toi, Medja. Pour le salut de l'Égypte, je t'en prie, nous devons fuir. Bah, fuyons. Écoute. Ok, où es-tu? Parfait. Voilà, j'attendais juste le moment où il fallait parler. T'es où? Jamais trahi l'Égypte. Tu sers Apollodorus. Je fais partie de ces petites manipulations divines. Une vipère dans les hautes herbes de Cyrénaïque. Nous sommes découverts. J'ignore comment et par qui. Mais c'est comme ça que le centurion m'a trouvé. Il détient une liste d'espions. Ah, tous ne résisteront pas à la torture comme tu l'as fait. Trouve ce Romain. Découvre ce qu'il sait. Il patrouille les tours frontalières. Pour l'Égypte. Pour une Égypte libre! Ok. Ben go. Go 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 les amis. Donc du coup, qu'est-ce qu'on laisse comme mission derrière nous vite fait? Donc celle qui se trouve au camp, qu'on fera évidemment ben, au live. Celle-là, je la ferai aussi au live. Et puis ben, là, on est go pour partir faire les deux missions restantes. Parce qu'il y a celle-là plus les gladiateurs. Je sais pas si on pourra, les amis, en 3 minutes, compléter les deux missions, mais si on peut au moins en faire celle-là, ça sera déjà bien, je pense. Ok. Série de meurtres discrets, pourquoi pas. Là, le pont dont t'as parlé est idiot. Les bandits sont sûrement pas loin. Nouvelle région découverte, Marmaric. Ok. Alors, voyons voir la taille de ce territoire. Est-ce qu'il y a des missions à faire? Ouais, il y en a une ici, à son service secret, ok. Ça va, c'est un territoire où il n'y a pas grand-chose en vrai. Tant mieux, enfin, il y a beaucoup de points d'interrogation, mais ça c'est surtout hors caméra, et comme d'habitude, hein, je prendrai le temps évidemment de les faire. Là, on va tâcher au moins de finir les ombres d'Apollon, les amis, dans cet épisode. Et tout ce qui est gladiateur et les autres missions, on verra ça dès le live de ce dimanche. En parallèle, évidemment, je finirai hors caméra les 2-3 points qui restera, enfin tous les points qui restera. On doit avoir une putain de vue d'ici. On a une putain de vue. Mais bon, on n'est pas là pour la vue.
Il se barre l'enfoiré. On va vite le rattraper. Les amis, j'ai pas compris. Il y a une nouvelle mission là qui va se déclencher du coup. J'ai pas trop saisi là ce qui s'est passé. Bon, Reda il se téléporte rapidement. Les amis, on va mettre un terme à cet épisode. Donc, au niveau des quêtes, qu'est-ce qu'il nous reste? On a du coup libéré les gladiateurs. Qu'il faudra qu'on ramène à l'arène de Sirène. Donc, du coup, il faudra qu'on fasse ça. Donc, ça, c'est la mission principale. On s'en fout. Le reste, c'est beaucoup trop loin. Et du coup, au niveau des missions, comme on l'avait précisé, du coup, on aura cette mission-là. Mais je sais pas si on pourra la faire lors de ce live. Ça me paraît un peu tôt. Et évidemment, je m'amuserai à faire hors caméra tout ce qui reste à faire comme point d'interrogation dans le secteur. Et avant le live, je m'occuperai du camp pour faire la mission Carpe Diem. Qui sera donc la première mission qu'on fera en live. Suivi, évidemment, de Carpe Diem. Très bien, deux missions qui s'appellent Carte Diem. Et moi hors caméra, j'irai quand même voir ce qui se trouve dans ce dernier territoire là, le Kainaka. Et ce qui veut dire qu'il nous restera encore deux territoires derrière à découvrir durant les prochaines semaines. Et ensuite, ben go la quête principale je pense hein. Go la quête principale, on n'est pas trop mal. Alors, est-ce qu'il il faudra que j'aille aussi commencer à penser à mon inventaire. Parce que Reda, il nous aime bien. Mais son inventaire, ça devient chiant. Au niveau des aptitudes, est-ce qu'on a encore quelque chose qui réclame un point d'aptitude que l'on puisse continuer à mettre des points d'aptitude là-dedans? 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2. Ok, donc on verra ça lors du live, les amis. Et évidemment, bon, bah, allez, hop, voilà. Bon, merci d'avoir suivi ces aventures avec hashtag Bayek de Siwa. On se retrouve rapidement pour la suite en live, les amis. C'était Empereur et je vous dis la suite au prochain numéro, les gens. Salut.